Salut à tous! Alors aujourd'hui je dois teinter mes pieds de table basse que j'ai soudés hier. Donc je vous l'avais dit, je vais tester la patine noire Super Black de chez Produits du Guet qui devrait nous donner un noir assez intense. Là où d'habitude j'utilise donc l'hématite de la verdure mais qui donne un noir un petit peu bleuté qui est joli mais voilà, là c'est l'occasion. Alors, j'ai préparé une bassine pour procéder par trempage avec un pinceau. Et puis, de l'autre côté, une bassine d'eau tiède pour rincer et stopper en fait l'oxydation à froid que génère cette patine. Un chiffon pour essuyer. Je vais vous montrer simplement sur les fers plats qui vont venir par-dessus la table basse en incrustation parce que ce serait trop long de vous faire une vidéo sur l'ensemble des pieds. Alors, je vais la verser en entier moi dans la bassine et je suis sûre qu'on va peut-être pouvoir voir directement l'effet sur le métal. Voilà, on a une coloration là, directe. Hop, je vous montre. Regardez. Et voilà. Et c'est pas du tout de la peinture, hein. C'est vraiment de l'oxydation à froid. Donc ça rajoute pas de surépaisseur au métal. En plus, ça protège de l'oxydation future, enfin de la rouille. Voilà, moi j'aime assez travailler avec ce genre de patine. Là, je vais tout mettre. Hop. Voilà, ça y est, c'est teinté. Je rince. Ouais, j'essuie bien derrière. Alors on peut essuyer, hein, y a pas de souci, ça ne retirera pas la patine. Puisque ça y est, l'oxydation est faite. Voilà, on peut dire qu'on a un beau noir intense. Je vous montre l'autre qui n'est pas fait à côté. Voilà, avec la patine Super Black et sans...